président de la République du Congo rappelle que le Congo est un état de droit respectueux de ses engagements internationaux ainsi que de son propre ordonnancement juridique interne. À ce titre, le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté toute atteinte ou violation de droits de l'homme qui serait causée par certains agents de la force publique pourtant désignés pour une mission de paix. Les autorités mettront tout en œuvre pour que les présumés auteurs soient jugés, ce qui ne saurait tarder, puisqu'une session spéciale de la Cour criminelle de Brazzaville sera prochainement convoquée à cet effet. En conclusion, il n'y aura dans le traitement de ces affaires ni déni de justice, ni impunité. Est-ce que de façon globale, le Congo reconnaît toutes ces allégations-là qui sont portées contre le pays par les organisations, notamment Human Rights Watch? Vous dites que, pour la deuxième question, le deuxième détail, vous dites que les juges sont en train de travailler sur la question, les trois dossiers sont pendants devant la justice congolaise, vous annoncez pour bientôt la session criminelle. Est-ce qu'on peut savoir le bientôt, c'est dans deux mois, trois mois? Une allégation en droit n'est pas une certitude. La République du Congo a fait de façon administrative ce qu'elle devrait faire et ce qui était de son pouvoir de faire. Vous avez suivi le papier. Le ministère de la Défense a fait rapatrier le contingent, y compris ses responsables, et les a fait soumettre à la procédure administrative militaire. Donc il y a eu des arrêts de rigueur, ceci s'appelle des sanctions disciplinaires. Mais une sanction disciplinaire ne veut pas dire que les faits sont ipso facto reconnus comme tels. S'il s'agit des faits de violation de droits de l'homme, des faits de transgression de la loi pénale, à ce moment-là, pour dire que le gouvernement du Congo reconnaît, il faut absolument que les procédures judiciaires qui sont engagées touchent à leur fin, que les concernés, ce que nous avons appelé les suspects, soient jugés et qu'il y ait, puisqu'il s'agira de la cour criminelle, qu'il y ait un arrêt de condamnation. À ce moment-là, la République du Congo se fera fort de dire que les militaires qui composaient les différents contingents impliqués dans ces trois affaires ont été condamnés, donc la chose jugée s'imposant à tous, eh bien à ce moment-là la République du Congo pourra dire oui, les faits sont donc avérés et qu'il y a reconnaissance de tout ce qui a été fait. Voilà donc ce que je pouvais dire au sujet de deux questions que vous avez posées. Peut-être que mon collègue de la communication aurait quelque chose à ajouter. Je voulais simplement, M. Arsène Sévrin, répondre en complément sur votre première question où vous indiquez, est-ce que le gouvernement congolais reconnaît? Je crois que le ministre a dit ce qu'il en était de la situation en matière pénale. En matière pénale, il y a effectivement un principe, c'est-à-dire une mise en cause qui correspond à un certain nombre d'indices matériels ou d'éléments juridiques qui laissent entendre que des personnes pourraient être mises en cause. Voilà, c'est ça d'abord. Deuxièmement, quel était le rôle à ce stade du dossier du gouvernement congolais? Je crois que le ministre Mabiala vient de lire tout à l'heure la mise au point du gouvernement. Un gouvernement responsable, d'abord il est saisi.
nous avons été saisis. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis la saisine du gouvernement, qui remonte à environ 12 mois. Hein, soyons cohérents et concrets. Vous voyez bien qu'en 12 mois, le gouvernement de la République, sur trois affaires complexes, trois affaires qui se sont déroulées à l'étranger, a fait le devoir qui était le sien. D'abord les mesures conservatoires sur le plan administratif, ça a été rappelé, et ensuite la saisine des autorités judiciaires. C'est ça le rôle du gouvernement. Nous avons fait notre devoir. Alors, c'est pas parce que nous faisons notre devoir que nous reconnaissons la culpabilité. Je crois que l'état de droit, c'est un principe, c'est la présomption d'innocence. Les gens sont là, il y a des indices contre eux, mais ils ont droit à deux choses. Une instruction du dossier pour qu'on voit s'il peut être jugé, et la deuxième chose, c'est le droit à leur défense. Et l'État congolais reconnaîtra, non pas les faits parce que ce n'est pas l'État qui est poursuivi, mais l'État reconnaîtra quand le terme de la procédure judiciaire sera atteint, qu'effectivement les éléments que le juge pourra examiner aboutissent ou non à une culpabilité. C'est ça la reconnaissance que devra faire l'État au terme de la procédure. Mais ce n'est pas l'État congolais qui doit et qui est en mesure de reconnaître ou de ne pas reconnaître. Il s'agit d'un devoir d'État, une fois qu'il a été saisi, de faire le nécessaire pour que la vérité éclate, dans un sens ou dans un autre. Donc je voulais juste préciser ce point-là. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je suis Cochin Glo, Grand Format News. J'étais personnellement à Bangui. J'ai vu comment la troupe congolaise était déployée à Bangui, tout au moins. J'aimerais savoir, derrière ces accusations, est-ce qu'il n'y a pas la manipulation qui se profile en filigrane, parce que le Congo a fourni quand même un bon nombre, et le contingent congolais était quand même parmi les contingents les plus gros en termes d'effectifs. Donc j'en ai terminé. Monsieur Cochin Glo, vous soulevez là une question importante et absolument fondamentale. Je crois que nos pays sont souvent présentés comme des pays en construction juridique permanente, l'état de droit, etc. Et on essaye parfois, et là c'est d'abord pour compléter la réponse du ministre de la Justice, on essaye parfois de faire peser sur les autorités étatiques des charges qu'aucun journaliste ou aucun observateur sérieux ne ferait peser sur des agents publics des pays dits de vieille démocratie. Je ne conçois pas qu'un journaliste sérieux pose au ministre de la Justice d'un pays de vieille démocratie une question du genre « Reconnaissez-vous votre culpabilité ?» alors qu'il s'agit d'une affaire où des agents publics sont impliqués, soumis à la présomption d'innocence, et à quel titre une autorité étatique pourrait-elle préjuger de l'issue de l'affaire pour dire « oui, nous reconnaissons, ils sont coupables » ou « non, nous ne reconnaissons pas, ils sont innocents ». Ça serait ce que, en droit, je parle sous le contrôle des magistrats, des hauts magistrats qui sont présents, c'est ce qu'en droit on qualifierait de forfaiture de la part d'une autorité gouvernementale qui jugerait avant même que les autorités habilitées à juger, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, auraient même instruit le dossier. Donc, cette façon de faire qui consiste à demander à des autorités exécutives de reconnaître ou pas des faits, c'est remettre en cause des principes juridiques de base qui sont appliqués partout. Donc, vous ne nous entraînerez jamais sur ce terrain. Je dis bien jamais, parce que l'état de droit n'est pas à géométrie variable selon que l'on soit sur les bords du Potomac, de la Seine ou du fleuve Congo. L'état de droit est un état de droit permanent avec des valeurs universelles reconnues parmi lesquelles il y a la séparation des pouvoirs. Ce qu'on attend d'un état, c'est a-t-il fait son devoir pour que la vérité éclate ? Et nous le disons avec solennité, le ministre Mabiala et moi, l'État congolais a fait son devoir jusqu'ici et les autorités compétentes qui sont présentes sont en train d'instruire. Et le ministre a rappelé tout à l'heure un principe de base en matière pénale qui s'appelle la sérénité. Et donc ces affaires devront être instruites et gérées dans la sérénité. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous parlez de manipulation éventuelle. Non, je vous laisse le soin
de votre qualificatif, je ne n'irai pas jusque-là. Je note simplement que notre point de presse, cette mise au point, est faite non pas parce que nous ne faisions rien, la preuve, le gouvernement, par la voix du ministre de la Justice, vient de décrire de manière précise, détaillée, pointue, ce qui a été fait dès que le gouvernement a été saisi. Et vous voyez bien qu'il y a des démarches substantielles auxquelles il faut ajouter, je dis bien auxquelles il faut ajouter des échanges informels et permanents, notamment avec le secrétaire général des Nations Unies qui vient de publier un communiqué dans lequel il reconnaît qu'effectivement il y a des échanges formels et informels avec l'État congolais sur cette question préoccupante. Alors, une ONG qui s'appelle Human Rights Watch a publié, je crois, il y a 48 heures, un rapport où elle a indiqué qu'il existait des éléments matériels et notamment la découverte d'un charnier où reposeraient, hélas, des restes humains qui pourraient être ceux des victimes des crimes qui sont imputés aux agents publics congolais et aux militaires congolais qui étaient présents dans le pays à l'époque. Je constate avec regret que ce rapport de l'ONG Human Rights Watch est un rapport à charge, parce que sur des affaires aussi graves qui impliquent la responsabilité pénale d'agents publics ou privés, mais en tout cas d'agents délégués par l'État congolais, il me semble qu'à un moment donné, avant d'affirmer qu'il y a une sorte de léthargie ou d'inaction de l'État, il aurait été sain que cette ONG se rapprochât de l'État congolais sous toutes ses formes. D'abord, les autorités gouvernementales, avez-vous fait quelque chose une fois que vous avez été officiellement saisi? Nous venons de dire que oui, et le démontrant. Et des autorités judiciaires, êtes-vous saisi d'un dossier, d'une instruction? Et elles auraient répondu par l'affirmative. Cette dimension manque au rapport de l'ONG Human Rights Watch. Et donc, c'est pour ça que je dis, je ne parle pas de manipulation, nous ne parlons pas de manipulation, nous parlons simplement de rapports biaisés, de rapports à charge, de rapports qui tend effectivement à vouloir, encore une fois, probablement présenter la République du Congo comme un État de non-droit. Le ministre Mabiala vient de démontrer par la mise au point que l'État congolais est un État de droit, soucieux de lutter contre l'impunité. Et nous avons fait à ce stade le nécessaire pour que cette affaire puisse aboutir à son terme et que la vérité éclate. Bien, je voudrais ajouter une toute petite chose pour finalement nous poser, nous tous, la question de savoir quelle est la place d'une ONG, qu'elle soit internationale ou nationale, dans l'exercice d'une action publique. L'action publique ici, c'est la procédure pénale. En l'espèce, quelle est sa place? Quel que soit le rapport, comme l'a dit mon collègue le ministre Thierry Mungala, quel que soit le rapport qu'une ONG peut produire, quelles que soient les tendances de ce rapport, alors, quelle est sa place dans le déclenchement d'une procédure? Surtout dans une justice aussi indépendante comme celle de la République du Congo. Voilà ceux qui ont déclenché ces procédures. Ils sont là. Vous pouvez les interroger. Est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'il y a eu un rapport d'une ONG? Donc, pour moi, monsieur le ministre, mesdames et messieurs de la presse, ces ONG sont en train de prêcher dans le désert. Parce que la justice congolaise est déjà saisie des vrais faits de la cause, mais que même nous ne connaissons pas. Les faits qu'ils ont alignés dans leur rapport vont-ils faire partie des dossiers de la procédure pénale congolaise, oui ou non? La réponse est non. Monsieur le ministre, la réponse est naturellement non.
C'est une pièce qui ne pourra même pas contenir dans les procédures, les trois procédures de notre justice. Et donc, manipulation, nous disons non, mais attention, nous sommes aussi vigilants. Monsieur le ministre, je poserai cette question pour le compte de TV5, Alain Chungu. Monsieur le ministre, quand on suit les rapports de l'ONG ou quand on suit un certain nombre d'allégations comme vous avez qualifié ça, on a l'impression que c'est surtout les pays africains. Vous n'avez pas voulu citer les noms, j'ai cité les mots, entre autres les Congo et la République démocratique du Congo. Est-ce que ça ne vient pas poser la question ou les problématiques de la formation et de la discipline dans nos armées? Est-ce que nous tenons compte de ces deux éléments quand nous acceptons d'envoyer nos éléments dans les différents pays de la sous-région ou d'ailleurs? Merci. Moi, j'ai toujours dit qu'en Afrique, nous avons des armées d'un professionnalisme avéré, sinon irréprochable. C'est cette force publique qui nous sécurise nous-mêmes, qui sécurise nos biens, qui sécurise nos déplacements. Voyez, vous qui posez la question, vous vivez ici à Brazzaville. Notre pays, tout récemment, a connu plusieurs péripéties, plusieurs soubresauts. Au mois d'octobre 2015, quand on parlait du référendum, vous avez vu ce qui est arrivé dans tout le pays. Mais c'est grâce à la force publique que le pays a été sauvé. On en a parlé le 4 avril avec le pasteur Ntoumi. Mais parce que c'était une attaque contre les institutions en place, régulièrement établies. Mais c'est la force publique qui a préservé la quiétude, la paix dans la ville de Brazzaville. Donc je pense bien que formation et discipline de la force publique, il n'y a pas de doute à cela. Il n'y a pas de doute à cela. Maintenant, si vous voulez plutôt parler de renforcement de capacité, eh bien, ça, c'est la bienvenue, puisque nous tous, nous sommes appelés partout où nous sommes à renforcer chacun de nous nos capacités. Voilà un peu, monsieur le ministre, ce que je tenais à dire. Je vous ai balisé le chemin. À vous d'approfondir. Oh, monsieur le ministre et chers frères, je ne sais pas si j'approfondirai, mais je voulais compléter effectivement vos propos sur le sujet. Je crois que Alain Chungu a posé effectivement une question importante. Est-ce que l'exhumation de ces faits, qui concerne de manière récurrente apparemment des armées africaines qui sont envoyées sur des théâtres d'opération pour le maintien de la paix, impliquerait que ces armées seraient plus indisciplinées, moins bien formées que des armées venues d'autres continents? Je ne sais pas, ça je ne suis pas un spécialiste de la chose militaire, mais le ministre Mabiala a bien répondu sur ce point. Je crois que nos armées, et particulièrement la force publique nationale, la force publique congolaise, nous a, pour des affaires internes récentes, montré son professionnalisme. Déjà. Maintenant, une armée n'est pas composée d'extraterrestres. Elle est composée d'êtres humains avec leurs failles, leurs qualités et leurs défauts. Et comme vous le savez, les derniers mois ou les dernières années ont vu la chronique d'un certain nombre d'actes posés ou imputés à des membres des forces armées envoyés venant d'autres continents d'ailleurs que l'Afrique, envoyés par exemple en République centrafricaine, qui ont été accusés d'exactions.
pas forcément toujours du même genre que celles que nous décrivons ici, mais d'exactions. Donc, est-ce que cela impliquerait de penser que ces forces armées-là auraient des insuffisances en termes de formation? Je ne crois pas. Et c'est à travers ce type d'exemple, malheureux en l'occurrence, que nous pourrons renforcer nos capacités et que ceux et celles que nous enverrons demain dans des missions de maintien de la paix sauront qu'effectivement ils sont placés sous une loupe peut-être plus grossissante parce que justement ils sont envoyés dans des missions de maintien de la paix. Et c'est ça l'enseignement principal. Et pour conclure, moi je ne suis pas aujourd'hui honteux d'être un dirigeant africain. Simplement, nous faisons un constat malheureux aussi, il faut le dire, sans porter d'incrimination, qu'on a l'impression que la loupe est plus grossissante pour ce qui concerne les pays d'Afrique que certaines autres zones du monde. Confère ce qui se passe avec la Cour pénale internationale qui ne voit apparemment de manière hémiplégique que les crimes présumés dans certaines zones du monde et sont un peu plus myopes, voire aveugles, sur certaines autres zones du monde. Donc deux poids deux mesures. Bon, là c'est un autre débat, mais je veux dire par là, n'imputons pas à nos forces armées ou nos forces publiques plus de, disons, de déviance que la moyenne mondiale. C'est simplement que nous, nous assumons effectivement dans cette affaire les responsabilités qui sont celles d'un État respectueux du droit et qui, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, ne peut pas laisser dans l'obscurité ni dans l'impunité des faits allégués aussi graves. Simplement, nous devons faire cette gestion de l'affaire en rapport avec les principes de sérénité et de respect de l'état de droit, dont la présomption d'innocence est un des principaux éléments et fondements. Et nous insistons sur ce point-là. L'instruction et les éventuelles assises criminelles nous en diront plus sur le fond. Vous avez fait une mise au point de façon générale. On sait ce qui s'est passé en RCA. Mais le fait le plus récent, je pense que c'est le rapport de Human Rights Watch, qui date d'avant-hier, bien sûr. Et quel est le qualificatif que vous donnez à ce rapport? Mais est-ce que quelque part, vous ne positivez pas en disant que ce rapport apporte également des éléments de recherche et de travail à la justice congolaise? En profitant des rapports qui sont produits par des ONG, la loi congolaise n'a réservé aucune place à cela. Et je voudrais vous rappeler que les lois de procédure pénale sont d'interprétation stricte. Et donc, s'il n'y a aucune place pour des ONG dans la procédure pénale, eh bien, il n'y a aucune place. Ce que la justice congolaise a fait, c'est que elle a procédé par, et là je me permets quand même de vous le dire, sinon c'est un acte de pure instruction du dossier. Mais puisque c'est d'un état à un autre, c'est passé par voie de diplomatie interposée, eh bien nous pouvons vous le dire, puisque la diplomatie est gérée par le gouvernement. Il y a eu des commissions rogatoires du Congo vers la République centrafricaine. Donc la justice elle-même est bien placée pour rechercher tous les éléments, dans les moindres détails. Et c'est pour ça que lorsque le procureur de la République saisit le juge d'instruction pour tel ou tel autre fait, le procureur peut viser deux ou trois infractions. Mais dans sa recherche, le juge d'instruction peut en arriver à 4, à 5. Et à ce moment-là, le juge d'instruction renvoie le dossier auprès du parquet de la République
pour solliciter un réquisitoire supplétif ou complémentaire. Donc le rapport dont vous parlez, tant sur les chaînes de votre organe, c'est un rapport qui n'a aucune incidence sur la justice congolaise, sur l'État congolais. Parce que le principe, on vous l'a dit, c'est que lorsque quelques faits sont commis, lorsque quelques comportements de transgression de la loi pénale sont commis, je dis bien sont commis, mais je n'ai pas dit sont avérés, à ce moment-là, c'est le Congo qui juge ses propres militaires. C'est la règle du jeu. Il s'agit d'un rapport biaisé, d'un rapport à charge, parce que quand on prétend, sur des affaires graves, hein, on ne parle pas du vol d'une bicyclette, là, on parle de crimes graves allégués. Je crois que le minimum d'honnêteté scientifique aurait été que ce rapport nous indique qu'une démarche de l'ONG concernée, après avoir rapporté un certain nombre d'éléments matériels qui présumeraient des crimes commis par des militaires congolais, aurait été de demander à l'État congolais, et que ce soit consigné dans le rapport. Vous, dans votre profession de journaliste, vous avez ce qu'on appelle dans la déontologie un principe, je crois, si je peux me permettre de le rappeler, c'est quand on vous apporte des faits en disant « Monsieur un tel est coupable, enfin, aurait commis tel acte », avant d'écrire cela, vous avez l'obligation d'aller dire à monsieur un tel « On vous accuse de... Quelle est votre position ?» Je crois que c'est ça. Ce rapport, sauf erreur de ma part, ne contient aucune indication d'un rapprochement ou d'un contact avec les autorités établies du Congo, soit les autorités exécutives. Qu'avez-vous fait le jour où vous avez été saisi et informé officiellement, soit des autorités judiciaires elles-mêmes? Est-ce que vous êtes en train d'instruire un dossier concernant ces trois affaires que nous nous rapportons dans nos rapports? Il n'y a rien de cela. Il y a des affirmations sur les antennes, notamment de RFI, d'un individu membre de cette association qui procède par affirmation et qui ne parle même pas au conditionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme l'a dit le ministre, ce rapport n'est que de la clameur, c'est-à-dire de la rue, c'est-à-dire une pièce qui n'est pas une pièce juridictionnelle dans un dossier, et d'autant moins que ce rapport n'est même pas scientifique, comme on vient de le dire. Donc, je crois qu'il faut que nous cessions, dans nos approches concernant des dossiers aussi sérieux, qui engagent la vie d'un certain et la carrière d'un certain nombre de militaires, eh bien que nous cessions d'accepter des démarches non scientifiques dont le seul but est d'incriminer des États et de les soumettre à l'opprobre international. Nous devons cesser d'accepter cela parce qu'il n'y a pas dans ce monde des États à la souveraineté limitée. Tous les États sont égaux en matière de souveraineté. Nos institutions sont saisies. Laissons-les travailler dans la sérénité. Si à un moment de la procédure, il plaisait au pouvoir judiciaire qui instruit d'entendre, pourquoi pas, les représentants de cette association, cette ONG, ils le feront dans le secret de leur conscience et le secret de l'instruction. À ce stade, nous nous disons, et ça c'est une position de principe, que ce rapport, nous n'y accordons pas un grand crédit parce qu'il n'est pas contradictoire. C'est notre position. Il n'est pas contradictoire. Il est biaisé et à charge. Enfin, dernier point sur la question, nous pouvons considérer que les démarches qui ont été effectuées, et comme a dit le ministre, qui sont totalement indépendantes du rapport, qui n'a que 48 heures, hein, je crois, en tout cas sa publication c'est que 48 heures. Je crois que tout ce que nous venons de décrire, tout ce que le ministre, dans le propos liminaire, a indiqué, ne s'est pas fait depuis mardi. La saisine du gouvernement, les enquêtes administratives, voilà. La saisine du juge, l'instruction du juge, la mise hors du circuit administratif des militaires qui ont été pour certains suspendus, d'autres sous contrôle judiciaire, tout ne s'est pas fait depuis mardi. Donc ce rapport n'est pas un élément déclencheur de la procédure. Il n'est que de la clameur.
Il n'est pas plus que cela. L'État congolais n'avait pas besoin de ce rapport pour se saisir et il l'a fait bien longtemps avant. D'autre part, il y a une commission rogatoire, comme a dit le ministre. Mais c'est cette commission rogatoire, sans que je rentre dans son contenu, parce que c'est soumis au secret de l'instruction, qui est un acte technique qui va permettre que le juge congolais qui est au Congo puisse s'imprégner des faits et des éléments matériels en RCA, c'est-à-dire sous les lieux concernés. C'est ça la commission rogatoire. C'est-à-dire le transport sur les lieux ou la coopération judiciaire avec l'État centrafricain pour collecter les éléments matériels qui vont renforcer les éléments de l'instruction. Ça, ce sont des éléments sérieux. Parce que ces éléments-là sont à charge et à décharge. Dans le sens où les avocats des incriminés, des mis en cause, seront impliqués dans l'exercice du droit de la défense. Ça, c'est sérieux. Et ce ne sont pas des rapports qui sont fabriqués à 6000 km des lieux et qui mettent en cause sans nuance des États, sans même se rapprocher d'eux sur le plan de la pure honnêteté intellectuelle pour leur dire « Nous avons ceci, qu'avez-vous à dire ?» Je vois dans la salle la présence du porte-parole du gouvernement. Donc la première question est destinée au ministre de la Justice et des Droits Humains, M. Pierre Mabiala. Monsieur le ministre, je voulais savoir pourquoi de telles accusations sont toujours portées contre les forces armées congolaises, alors que nous savions tous qu'à Bangui se trouvait là-bas et beaucoup d'armées. Et pourquoi seulement le Congo qui a été indexé dans cette affaire? Ça, c'est la première préoccupation. La seconde préoccupation, monsieur le ministre de la Communication, je profiterai donc de votre présence parce qu'on n'a pas la chance de vous avoir tout le temps en face, monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre de la Communication, qu'en est-il exactement de la traque du pasteur Ntoumi? Il n'y a pas que le Congo, il y a plusieurs autres pays. Vous vous souvenez que, pour ne pas parler des pays, hein, nommément, il y a eu rapatriement des contingents d'un pays limitrophe. Tous les contingents. Et ensuite, il y a eu rapatriement d'une partie des contingents d'un autre pays limitrophe. Mais il y a aussi rapatriement des militaires d'un autre pays un peu plus lointain, un pays d'Europe. Je vous ai dit que je ne cite pas des noms des pays. Donc il n'y a pas que le Congo dans tout cela. L'essentiel est que le principe par rapport à la convention internationale, à l'accord que le Congo a signé avec les Nations Unies, en cas de situation de ce genre, le principe est que chaque État juge ses ressortissants. C'est ça le principe. Mais nous sommes en train de le faire, puisque la justice congolaise est saisie de ces faits-là. Quels sont ces faits? Nous ne les connaissons pas. En tout cas, nous, au niveau de l'exécutif, nous ne pouvons les connaître. Nous ne les connaîtrons que lorsque la cour criminelle sera saisie de l'arrêt de la chambre d'accusation. Deuxième question. Vous parlez de la traque du pasteur Ntoumi. Bon, oui, il y a traque du pasteur Ntoumi. Mais vous avez oublié de dire pourquoi il est traqué. Vous avez oublié de nous servir les faits pour lesquels il est traqué. Mais nous les connaissons. Qu'en est-il? Mais le ministre Thierry Mungala a bien fait de me renvoyer la question. En tant que ministre de la Justice, je peux solennellement vous annoncer que les faits commis par le pasteur Ntoumi et ses partisans le 4 avril 2016 sont des faits extrêmement graves. Vous les avez vécus. La justice congolaise en est saisie. Le procureur de la République, le procureur général, les deux sont là et instamment, puisque c'est ce que vous voulez, mais parce que nous sommes une justice équitable,
une justice de qualité. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'a dit lors de sa déclaration portant programme d'action du gouvernement devant l'Assemblée nationale. La justice congolaise est une justice équitable et de qualité. Mais une justice forte. Donc, nous voulons vous annoncer, pour faire d'une pierre deux coups, que le pasteur Ntoumi fera l'objet des poursuites pénales, qu'il soit là ou pas. Parce que en matière pénale, et en regardant les faits que nous qualifions de graves, mais du point de vue pénal, c'est la justice qui va les qualifier. La qualification pénale viendra du dossier du tribunal. Si c'est des délits, eh bien, on pourra regarder ce qu'il faut faire. Mais si ce sont des faits qualifiés de crimes, alors à ce moment-là, nous procéderons à l'ouverture d'une information jusqu'au niveau de la cour criminelle, quitte à le juger, même par contumace, s'il est absent des assises. La loi a tout prévu. Même par contumace, il sera jugé. Monsieur le procureur général, près de la cour d'appel de Brazzaville, vous m'entendez très bien, à vous donc d'ouvrir la procédure pénale contre le pasteur Ntoumi et ses partisans. En même temps, monsieur le procureur de la République, il faut activer la procédure judiciaire qui avait déjà été ouverte contre le général Mokoko Jean-Marie Michel. Il faut activer cette procédure. Parce que les procédures pénales ne doivent pas être rangées dans les tiroirs de la justice. Donc je vous donne ces deux instructions en tant que garde de sceaux. Voilà. Et à vous d'en faire écho, mesdames et messieurs de la presse. Merci.